Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une première sur ma chaîne. Il s'agit d'un lookbook, c'est la première fois que j'en fais un. Et en fait je dois dire que j'en ai tourné vraiment beaucoup, je crois que j'en ai tourné 3 ou 4 que je n'ai jamais posté parce que j'étais jamais satisfaite du contenu. Donc celui-ci, je dois vous avouer que je suis pas encore satisfaite du contenu parce qu'en fait j'aime les images qui bougent et moi lorsque je me filme je n'ai jamais personne vraiment pour me tenir la caméra et avoir des images qui bougent. Du coup toutes mes images sont statiques et ça me plaît pas trop. Bon, cette fois j'ai essayé de faire au mieux, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. J'espère que ça vous plaira quand même pour un premier lookbook. Je savais pas trop si vous préféreriez un lookbook avec une voix off où je dis d'où viennent les vêtements, ou un lookbook avec uniquement un fond de musique sans rien. Du coup à l'heure où je vous parle je sais pas encore ce que je vais avoir fait parce que je tente cette intro en avance, mais du coup je vous laisserai regarder. Dites moi en commentaire si vous préférez avec une voix off ou sans, et avoir tout simplement la description des tenues dans la barre d'infos. D'ailleurs si jamais il n'y a pas de voix off, toutes les descriptions des tenues seront en barre d'infos. Donc c'est voilà, c'est un lookbook avec des tenues d'été et très estivales. Je crois qu'il n'y a que des jupes et aucun pantalon. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire pour ce premier lookbook. Voilà, n'hésitez pas à liker également si vous en voulez plus. En tout cas moi j'ai adoré le faire et j'espère, c'est même sûr, qu'il y en aura d'autres. Et cette fois-ci j'essaierai de les tourner avec quelqu'un afin que les images bougent. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec le lookbook et je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Alors, la première tenue est très simple mais très colorée. Elle est composée d'une petite chemise en voile très fine, courte, avec une jupe blanche. La jupe blanche vient de la Halo Vêtements. Et le chemisier, lui, vient de chez Jennifer. C'est une tenue très simple mais qui fait tout son effet avec les détails de la jupe. Cette deuxième tenue est sans contester ma préférée. Je la trouve vraiment très simple et très très chic. La jupe vient du site AliExpress. Les chaussures viennent d'une petite boutique de ville. Et le haut blond vient de chez H&M. L'association des trois pièces est vraiment très très belle. Cette troisième tenue est beaucoup plus décontracte. Il s'agit d'une chemise en jean et comme elle est relativement courte, je mets un short en dessous pour rien laisser entrevoir. Ma chemise imitation jean vient de chez New Look, mes chaussures sont les mêmes que tout à l'heure et le jean, le short vient de chez Jennifer. J'ai essayé cette association mais ça ne me convenait pas pour la vie de tous les jours, donc je l'ai porté un petit peu plus tard avec un legging noir qui arrivait mi-jambe et c'était tout aussi joli. Cette tenue-ci est un petit peu plus courte et fait plutôt habillée. Mon haut vient de chez Mime, il est très joli, tout en dentelle et en détail. Le short, lui, vient de chez Jennifer, vous le connaissez maintenant. Et les très belles chaussures viennent de chez Gémeaux, que j'ai eu en solde à cette saison. Pour cette tenue, elle est relativement simple puisque c'est simplement une robe noire avec un détail au niveau du décolleté qui fait tout le charme. Cette robe vient de chez Gémeaux
Elle se porte sur les épaules avec un voile qui est vraiment très très joli. Je savais que t'allais venir m'embêter pendant ma vidéo. Je pense qu'elle va me regarder, qu'elle est justement, je regarde pas. T'aurais été professionnelle, t'aurais pas fait. Mais je suis pas une pro. Il mange ses tétons. Mon sac de cours. Ta maman, elle me l'a passé pour que j'y rende. Bah je me filme pour mes vidéos. Arrêtez de me regarder. Vous me stressez. Quand? Oui, pourquoi? Oh bah je sais pas, je vais pas m'incruster. Non, si. C'est papa qui m'invite, hein. Ouais.